DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Presque 3 mois passés depuis l'équipe et Madame Judith Toluka les a mis en place. Bande de Konanga, je vous dis, inquiétude et commis ma casse au sein de la population. Raison pour laquelle certains journalistes, analystes, bah comme qu'on s'intéressait mingi na ba question wana. Bazomi tout na qu'est-ce qui ne va pas. Jusqu'à présent, quelques têtes na katia ya gouvernement oyo. Bah la qui s'y était, bah y'a qu'au sala ya solo musala. Mais mes sous basan a kati obé a komi luka luka luka. Na ba tumu sous to kana ki ke bango. Ba koza la ba meilleur poto ebi. Bwanya ebele basan ango. Mais au finish, population a komi na désespoir. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Seigneur Jésus. 3 mois après, ba koki pe ko remanye gouvernement. On ne sent rien. Oui. Basan vraiment totalement absent. Ozoye ba te qu'est-ce qui se passe. Ba oye basan quand même ko bimisa mitou na mai. Baza banani. Boko yoka bakombo na bango awa. Oyo bazo lala baza pe banani. Boko yoka bakombo po bala muka. Na pire esprit. Soki to lungwe wana ki sasa. Mabulwe le ki tozo ye bate. Tozo na mboka nini. Ou juste. Nani azade charge ya kubongi sa banzela na kisasa. Ba programme politique ebele bimaka. Ebimaka zero tro. Kinshasa soki nini. Nzambe na bomoy. Ah. Makamboze ebele tokolo belango. Bonjour Kimia, je reçois Siméon Isako. Bonjour Siméon. Bonjour Stéphane Balamwangé. Bonjour Nabaye Nyo Sabara Kona Nabiso. Nangonga Eyi. Na Sepeli, ko répondre à l'invitation na yo pour que tout koka ko solo la na yo Nyo Sitali ba Congolais. Ouais. Actualité za ebele. Otio le bamakambo ya gouvernement sous Menoawa. Otio le bamakambo ya. Ma boulou na Kinshasa, bref, je suis à Kinshasa. Ma makamboza ebele, to kwa ko solo la. Sepeli, ko répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Commençons d'abord na gouvernement Soumino. Espoir et zoza la kaka. To komi ko loba ke mandat ya mibale ya chef de l'État et komi ko kende na mulili. Qu'est-ce qui se passe? To ko loba nini? Bon, on ne peut pas dire à ce jour. Qu'espoir ezate, non, espoir ezali, parce que gouvernement ezalo ko l'équipe. Ezalo ko l'équipe. Na kati équipe, heureusement na ke y a 2-3 sur l'ensemble des 11, parce que na terrain baza 10, na gardien, ou yaza na poteau, ça fait 11. Na terrain baza 11. Heureusement na ke na 11 wana, y a 2-3-5 qui se démarquent. Il y a de l'espoir. Parce que ces deux, ces trois-là qui se démarquent, même si les autres ne font pas du bon boulot, bah, quoi qu'il y ait l'effort, il y a qui but, et quota, et puis équipe Mobimba, et soi, victoire. Bien sûr que oui. Mais, ce qu'il y a déploré, c'est que, sur les 50 quelques ministres, au Tozali Nayango, 50 quelques bien sûr. Ebele va se démarquer. Ah bon? Ebele va se démarquer. Na koki ko loba ke seul 10% ba ministre de bazar se démarquer. Voilà. 10% sur 56 ou 57? Non, c'était 53. Bon, 5 personnes même toi se démarquer. Donc sur la cinquantaine de ministres, seuls 10% ou moins de 10%. Merci. C'est des marques. Il y a un moto banda bato va se démarquer wana. Soumino. To banda na mama yemo ko soumino. Ça veut dire to banda na mama yemo ko soumino d'abord. Te mama c'est des marques té. Hein? Mama za a ko c'est des marques té. Na mona ndeti makambozi le kila mama na ninga boy. Ah. Mama zo mona le côté. Te mama comprend de l'autre côté. Oh, Simero. Mama soumino ne comprend rien. Je dis mama. Ne voit rien. Mama soumino. Hein. Notre première ministre, bien sûr, ne se démarque pas. La première ministre ne se démarque pas. Il y a histoire, il y a paix à Congo. Souminois, c'est Sama Bis. Ah, je l'ai dit.
Soumino, c'est ça ma bis. Elle ne se démarque pas. Je suis désolé de le dire. Maman Soumino ne se démarque pas. Soutenir les institutions du pays, oui, c'est dire la vérité. Mais bien sûr, c'est ça Tangwe Koki RDC. C'est ça notre chaîne. Tangwe Koki. RDC. RDC. Ouais. Tango Koki, pourquoi? Ouais. Pour qu'on se dise la vérité. La vérité. Moké de collègue Kende, Liboso. On le dit maman, ça m'a dit. La première ministre Judith Soumino Touluka ne se démarque pas. Au son premier jour, pour elle. Pour elle, elle. Il n'y a rien eu de marquant. Ah. Elle ne se démarque pas. Il faudrait que ça la mine. Pourquoi nous le disons? Oui. Oui, c'est vrai que nous ne pouvons pas comparer. La première ministre n'a pas ministre naïe. Mmh. Mais nous le disons parce que devant nous, toi comme ça là, topo, toi comme on a, oh y'a comme ça la boy, oh y'a comme ça la boy. Celui-ci fait ça, mais oh y'a comme ça la boy, voilà, oh y'a comme ça là. C'est ça qui nous pousse à dire que certains se démarquent, d'autres sont attentistes. Ok. Bah, cause la nini, tu es habité. Et la maman est attentiste. Maman est attentiste. Judith Soumino, c'est Samaloukonde bis. C'est vrai, ma français Belena Munoko, Koloba bien, Tokolina Poto. Le poto est raffiné, Kitoko. C'est pas ça, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les actions, au son premier jour. Les Congolais n'ont pas besoin des mesures. Le kola to mona ki yango. Toi ko mona yango, toi ko vivre yango. Et pas y a professeur. Professeur. Non, le professeur. Daniel Moukoko Sam. Ah! Nous l'avons, c'est le professeur. Nous l'avons accueilli. Hein? À bras ouverts. Ça ne promet pas? Tango ba annoncé que Moukoko Sam va continuer dans le gouvernement. VPM économie. Oui, c'est le maestro. VPM économie. Mais aujourd'hui, professeur en économie, on ne danse que dans des mesures. Oh, papa. Oh. C'est bien. Depuis l'avènement de Moukoko Samba, il y a ministère, il y a économie. Que des mesures. Que des mesures. Mais il faut prendre des mesures et puis agir. Non, c'est là. C'est là. Au moins, il y a Congo. Ma camo belo to vando déplorer déjà sous Kabila. Bazulaka yango ba mesure. Bazulaka yango déjà ba mesure. Bazokaka ba mesure. Mais lo ke changeaka ezati. Moukoko Samba en venant au gouvernement en tant qu'économiste. Déjà à l'époque on voyait comment il écrivait dans des déclarations. On comprenait que c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'économie congolaise. Ça veut dire que ce qui m'a pissé les lots, en tout cas, les jours suivants, tout décolle. C'est pourquoi Tamoba nommé Tozala Kana et Sengo. Mais le lot, Tozana, régime, il y a pas mesure. Le régime, il y a pas mesure. Nous sommes sous un régime des mesures. Qu'est-ce que Moukoko a fait pour que la situation économique s'améliore. Les prix des denrées alimentaires s'améliorent dans le marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, au moins, il va mesurer, voilà. Je ne suis pas prophète des malheurs. Et quoi qu'il s'est limité, quand Kanaba mesure. Ah, mesure, voilà, quoi s'est limité, quand Kanaba mesure. Bah, mesure, et s'est limité, quand Kanaba mesure. Voilà. Ah, tata. Mais voilà les ministres qui se distinguent. Allez-y. Bah, yébi qui est en bas dans le gouvernement. Dans le secteur où il y a telle difficulté, il y a tel problème, il y a ces mots qui rongent le secteur de Bango. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont attaqués directement au problème. Il y a notamment Moutamba. Constant Moutamba. Constant Moutamba. Mais il sait beaucoup. Le jeune ministre de la Justice, 36 ans. 36 ans. Il n'est pas professeur. Mais avocat. Il est avocat. Pendant que les professeurs sont dans les mesures, lui est dans quoi? Lui est dans le pragmatisme. Ah, Simero, regarde mon babat. Non, toi, il est dans ma camoufle. Nous avons besoin d'un Congo
change complètement. Oui, bien sûr. Pendant bien que sûr. Le professeur Baza, telle mesure, exonération, tout ça. Kolobé Bélé, français Bélé. Lui, ah, bah, le français Bélé. Pragmatisme. Bah, ah. Français, il y a classe. Bah, français Bélé. Il y a classe. Salandé. Moutambé dans le pragmatisme. Azan a terrain. Oui. Il s'attaque aux mots qui rongent la justice congolaise. Oui. Azo Kitanaba prison. Azo Kitanaba parquet. Quand il prend une mesure, c'est avec effet immédiat d'application. Oui. C'est ça que nous sommes en train de vivre chez Moutamba. Lui dénonce une mesure. Oui. Ça veut dire que mesure Azouana, dans les heures qui suivent, et Kokota, l'application. Et bandit au salema. Ouais. C'est ce que nous vivons avec Moutamba. Mais depuis que Mouko Kosamba a la mesure, on a eu. Salema, quand tu peux fixer la caméra ou expliquer ta mesure, Mouko Kosamba. Et ça, les maraté. Non. Fixer caméra, je te prie de fixer caméra. Et ça les maraté. Je te donne 3 minutes. Non. Expliquer aux Congolais, mesure au Mouko Kosamba. Hein, papa, osoyez pour moi, Yemoko. Osoyemoko. Allez-y. Non, fixe la caméra. Depuis, c'est mieux. Depuis, fixe la caméra, tu me donnes 2 minutes. Depuis, allez-y. Depuis que Mouko Kosamba ma mesure, Ata et Loko Mouko Tetika Loko Salema. Parce que vous vous souvenez quand le président Azonga qui n'a Bruxelles a convoqué conseil des ministres Moko spécial. Donc le mec extraordinaire. Parmi les points examinés, pris à pistolet. Bah qui a on la ça. Pourquoi? Parce que pistolet est mati. Mais est-ce que depuis bah, ça les réunions wana? Lelo, qu'est-ce qui a changé? Les mesures n'ont pas été prises pour que prix un pistolet quitte. Est-ce que le gouvernement manque de mécanismes coercitifs pendant qu'on quitte ça prix un pistolet dans un laps de temps? Mais c'est un professeur qui dirige ce secteur-là. Mais Moutamba, quand il prend une mesure, ma prisonnier faut pas m'aimer, il y a un quitte l'intérêt. À quoi il m'a mis ça? Tout désengorger ma prison. Quand il prend une mesure, bah magistrat, bah salakabo, pour suyer les secteurs de la justice. Désormais, c'est comme ça. Ton moni, bah magistrat véreux, bah s'est soulevé contre Moutamba. Et il y a même eu réunion entre bah magistrat, la ministre, il y a justice. Présidé, bien sûr, par le président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamouleta. Encore que lui, il faut souligner qu'il y a des choses à lui reprocher. Torozong et Lawa, ce qui est de Stéphane, a pessimisé occasion. Torozong et Lawa, tu as Kolobé Layango prochainement. Nous estimons qu'il y a des choses à lui reprocher. Il est président, il y a cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta. Et donc, en dehors de Moutamba, oh, Azali Kozoaba mesure, mais avec effet immédiat. En dehors de Moutamba, qui est dans le pragmatisme, il y a aussi un autre ministre. Pragmatique. C'est lui des finances. Le ministre Doudou Famba. Il est très pragmatique celui-là. Au gouvernement, il a apporté plusieurs réformes, notamment la mise en place d'un compte unique du Trésor, la digitalisation des marchés publics, la rationalisation de la masse salariale. N'a qu'à citer un passe que c'est belé. L'autonomisation du guichet unique, l'assainissement des zones économiques spéciales. Nous sommes arrivés à mesure de Konabiso Doudou Famba à Zui. Tant que comme ministre, il y a finance. Il a renforcé la sécurité judiciaire de la gouvernance et des entreprises publiques. La dynamisation de la finance climat et l'amélioration de la situation financière de la SNEL et Régie des eaux. Tous connaissons dans ce pays. SNEL et Régie des eaux, balayé la carte. Ce qui
tozali ko desservir population bien ten électricité na mai et ça parce que ministre finance ako sala boyete ako sala boyete. Nous nous souvenons tous que nous avions na mboka oyo un ministre des finances oyo azala ki na ba problème ebele abandaki ko yo kanana presque batonyo so wana te. Mais quand Doudou arrive, quand il arrive, il améliore la situation financière. Il y a Régie des Zones, il y a SNEL. Avec pour objectif, il y a que SNEL, la Régie des Zones, va qu'on desservir bien la population, l'électricité. Ok. Paix, la maille. Là, c'est Doudou Famba. Lui ne bloque pas les dossiers là-bas. Doudou Famba ne bloque pas les dossiers. Doudou Famba. Ces mesures, n'y a tout le barana français. Bah réforme au na cité Awa. Ce sont des réformes essentielles pour renforcer l'efficacité, la transparence économique. Yambo Kanabiso. Donc, on prend d'un côté Doudou Famba avec toutes les réformes on a aussi cité Awa. Oyo Asali, Katanga Komi, ministre des Finances Awa. On prend de l'autre côté Constant Mutamba qui s'attaque aux véritables problèmes qui font que la justice congolaise puisse être malade. Comme le chef de l'État l'avait dit. Donc, deux ministres qui se distinguent, qui sortent du lot. Et ce sont ces deux ministres. Ah, moi, je connais aussi quelqu'un d'autre. Qui feront, qui feront. Un jeune encore. Qui feront. Ce sont ces deux ministres, à mon avis, ça c'est ton point de vue. Bien sûr. Qui feront les 100 jours, les bilans 100 jours de Madame Soumine, qui jusqu'à ce stade. Dans mon année, t'as un attentiste. Ma cambouille qui l'a écabouille. Maman, ma cambouille qui l'a écabouille. Très tombe la micro, mon kébou, hein. Pose la laisse, voilà. Ma cambouille qui l'a maman. Maman, ma cambouille qui l'a écabouille. Le poteau est belé dans mon oko. Maman est attentiste. Ah. Toro Lobanine. Waouh. Judith Soumina. Sama Lukonde. Bis. Blanc, bonnet blanc. Mamé, parce que le problème c'est à niveau anime. Maman est à la hauteur de ton président, c'est même toujours de qui sert Makamoka, l'écolo. À ça, pour ça, collaborer n'a été. Le président a besoin des résultats. Président, le XM Makamoliko, Moutamba qui est en train de travailler. Président, c'est le XM Makamoliko. On dirait qu'il y a confiance, ma casse, président, Moutamba. Ah, attention. Moutamba, on dirait qu'il y a une confiance, on dirait qu'il y a une kamikaze, mon koboye. Yo bêta. Entre premier ministre et ministre, il y a une confiance, ma casse, président. Premier ministre n'a pas confiance. Et bon. Mais dans le système mystico, il y a CC. Ma personne m'a demandé confiance, c'est belé. Et ça bon côté. Maman, tu m'as combien touchable? Maman m'a cambozé le kela. Maman comprend de l'autre côté. Comment tu juges moi d'un vu ta ou à remplacer Bemba na défense? Bon, secteur, il y a défense. Il y a défense. Dans ça, on a expérience et belété. Ok. Je dois l'avouer. Mais j'ai. Pour les juger, il faut vraiment connaître les véritables problèmes. Ah bien sûr, tu as raison. Il est très il y a insécurité. Ça veut dire que le ministre peut venir. Oui. Azan a volonté y a que ça la moussala. Mais azo comprendre rouage. Azo comprendre un peu rouage. Mais le problème n'est pas son niveau. Le problème se trouve peut-être au niveau international. Ouais. Parce que tu es biqué guerre au Izana Est. Oui. Iza conglomérat. Y a ma puissance. Batubeli wana kati international, ma grande puissance. Bien sûr. International des Bakubundi Sabiso. Ça veut dire qu'il peut avoir les bonnes stratégies du monde, la bonne volonté du monde, mais si le problème n'est pas totalement résolu, akobimane taza inefficace. Boussa quand même oyebi portefeuille. Jean-Lucien Boussa. Ouais. Ah, celui-là dilapide les fonds. Ah, les fonds de l'État. Comment toi tu veux dire batubeli sozobo ya bango? Tena zobo ya bango ti. Comment expliquer qu'un ministre Azan a bureau. Mazui a délocalisé le bureau naïe. A commis qu'on s'en a un hôtel. De luxe. Luxueux. De la ville. Il y a première catégorie. Qui va payer l'addition? Ministère. Hein? Le gouvernement va payer. Ah. Il est là pour le gouvernement. Et Maman Soumino, parce qu'il y a peu ma cambouille, le kelaïe, a observé. Ministre a dilapidé. Bon, il y a l'État. Non, a trouvé que le ministère, a dit qu'on a un cabinet, a qui. Peut-être la hauteur n'a été quoi. Hauteur n'a été, ça veut dire quoi? Niveau n'a été. Ça veut dire quoi?
Peut-être ça qui est au côté. Non, bisika chic, ça veut dire quoi? Bisika chic, ça veut dire que dilapider mon yaba congolais, bah, comment on a passé? Yo, Luka, bisika chic, au moni, et ça n'est à aucun travail dans ton hôtel. Côté cabiron, oh, des mois et des mois. De bisika chic, au moni. Alors, il a un bureau privé, pourquoi? Pour préparer l'état dans ma dépense. Pourquoi il n'avait pas dit ok? Parce que je vais réfectionner le bureau, je vais nous salaire dans le bureau privé. Parce que ton hôtel n'appartient pas à l'État. Waouh! Donc, les ministres sont là pour nous servir. Ils sont là pour se servir. Bazoua, Balia, Batonda, Mabotana, Bango, Bafamina, Bango. Le peuple, ça vient. Mais récemment, dans mon acte Zambia, quand on a fait frontière, pour nous, il y a des boissons. Oh, il y a des gens qui ont été impliqués. Bah, Fongola, quand même, avec l'implication de Julien, parce que j'ai vu que lui s'est impliqué. Et à où tu peux saisir, sur ce OCC, à Ibisi Bango, et ça, maïs, c'est un impropre réseau contre la Congo, ça, substance toxine. Il y a un peu de l'obac. Julien, pas le conseil, quand même, ça va. Il y a un peu de l'obac qui est trois mois où Palo Kassani dans le gouvernement, comme ministre, il y a commerce extérieur. Tout le monde que de Konabiso Boussa. Abandon l'excellence au temps, le ministère. Voilà. Et je suis même sûr que dans le portefeuille, place à Kéi, vous avez un bon problème avec vous, mais vous n'êtes pas prophète de malheur. Vous avez un leadership éclairé à Moutine Douana. Non, leadership à Nini. Leadership, il y a que vous avez un pays qui a besoin, il y a suffisamment besoin de Mbongo. Ok. Vous avez un bureau dans un hôtel IP pour que. Mboke foute la yo. On a des leadership éclairés. Hein? Donc, Namoukou, c'est un gouvernement qui a presque 5 à 6 personnes au bas où travailler bien. Maintenant, Namoukou, c'est. Hein? Ce gouvernement, dans ce gouvernement, il n'y a que 3 ou 4 ministres qui se distinguent, qui sortent du lot. Et comme conclusion, la première ministre elle-même qui devait donner, prêcher par l'exemple, est out. Elle est en dehors des affaires, elle ne comprend rien. Je peux me permettre de dire qu'elle est peut-être dépassée par les événements. A combien qu'il y a un sandé salémi qu'on a qu'on visité. Oh, Batobakimi, guerre en Est, Bakken a zone Morobo et des campements, à qui a visité. On a qu'un représentant chef de l'État na Genocost, à qui les fonds. Il n'est pas là. Mais il y a certains de ces ministres qui ont démontré qui se distinguent. D'où il faut remanier ou un gouvernement d'union nationale. Absolument, absolument, il faut un remaniement. Le gouvernement d'union nationale n'est pas dans une crise. Il n'y a pas une crise de légitimité. Il faut un remaniement. Kocha batou yebi pour que Bakoka. Sala Moussala. Mais ça, c'est bon, Mikolo, c'est bon, Bato Bazolo Beleming, le VPM est à fonction publique. Non, il nous a vendu du fond. Moussala est commis de 8h à 16h. Discipline Oyete, aux la sanction disciplinaire. Oui, on les a parmi. On les a parmi ma réforme. Oui. À saluer. Ça ne vient pas uniquement que de lui. Ce sont des, je sais, ce sont des secteurs transversales. Initiative comme mais pas un motomosu, c'est pas celui du travail. Et y est Balambi Yango, Bimi Boye, Bimi Bongo, c'est lui qui, parce que c'est lui la fonction publique. Excusez-moi, et Latinzo t'es pas naïe. Mais celui-là aussi, on dit qu'il nous a vendu du vent. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Minute et Kourokate, temps et Kourokate. Donc le Bélaï. Bon. Mais qui tient ça, ma boule aussi la cacate. Namon, on dirait gouverneur, c'est la rue qui bon, ça peut qui tient ça, n'a zoé batte. Et comme Mikolo a zo combo dans l'anzela la bana, ça fait du bien. Qui s'occupe réellement de l'anzela la Kinshasa? Non, il y a des routes. Oh, les qui relèvent de la responsabilité du gouvernement provincial et des routes qui relèvent de la responsabilité du gouvernement central. Ce qui Banzela Moko ils ont relevé la responsabilité au gouvernement central. Gouvernement central Moussala na été. Et ça erreur au gouvernement central. Mais ceux qui ont relevé dans le gouvernement provincial. Ce gouvernement provincial sont capé que ça Moussala na été. Wanezamus ils ont faute ya Daniel Bumba
encore que lui n'a évité ce qui a aussi dit sa mandat parce qu'a bandi déjà n'a pas dossier ébélé yamabe au bas qu'on fonde et bas détournement banini tout le dossier bon détourner Cassico bah le but a détourné Cassico il y a même des documents qui sont mis à la place publique bah détourner bah 6 milliards de francs congolais bah cambriser ébélé ok et donc pour les routes, les responsabilités sont partagées. Gouvernement central et gouvernement provincial. Et on a mis tout naka na yebakate pourquoi chef de l'État Zongisaka Gisaro na itéper parce qu'on avait tous déploré le mandat passé. Bazele zala ya kokufa, mais Bazele ya kokufa c'est lui qui s'occupe de ça. Alors qu'il avait joué parce que Bazele zala ya kokufa bozuye bozongisi les sous. Et ça là qui n'a vision ni wana penza tout ces pelaka na yangote. C'est ça qui m'amène à parler de l'office des routes. L'office des routes. J'ai essayé de gratter là-bas. Parce que comme j'ai parlé de Mutamba tout à l'heure, j'ai parlé de Doufamba tout à l'heure. On a essayé de parler des Teddy Luamba, celui-là aussi, je n'ai pas voulu trop parler de lui, mais il faut avouer que c'est quelqu'un d'intelligent. Très intelligent, Teddy Luamba. Qui fait aussi bien. Qui fait bon son, très bien son qui travail. Fait bien son travail. Alors, bah, visite Belé sur terrain et puis on sent que. Depuis ailleurs, on est quand même bien desservi dans courant. Dans l'électricité. Bien sûr, Teddy Luamba. Ça va quand même. Ouais. Chapeau bas à lui. Toujours encourager. Il cherche à faire mais gouvernement aussi, gouvernement des actuels et moyens qu'il faut. Bien sûr. Bah, projet d'impact visible sur terrain. Voilà. A Kokako Sala Moussala, Nenge et Sengeli. Parce que l'RDC produit le courant. Nous produisons le courant. Mais tout ça qu'utilise Yango comme il se doit, tu as consommé Yango, tu as côté Kanamboka, Papaya, tout ça. Mais Bissomar, tu as collé la Namolili. Mais quand nous avons quelqu'un. Oui, comme tu es. Oh, la vision, il y a bien. Qui maîtrise vraiment. Il y a beaucoup de Simba Snell qui relève Yango. Que Simba ba secteur nyo c'est ça qu'on travaille. Ou là ça qu'on travaille na bango. Mm. Pour que Congolais asala na courant y a bien en permanence. Il faut vraiment l'encourager. Bien alors, sûr. J'étais en train de parler de l'office des routes. L'office des routes qui est déterminé sous la conduite du directeur général Jeannot Kikalanga, déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État. Vision, il y a comme on a bas congolais circuler en toute sécurité, na Banzela, na Kinshasa et un peu partout à travers la RDC. Et donc l'office des routes est en train de gérer un programme d'acquisition, de déploiement et de mise en œuvre des 305 ponts métalliques modulaires du type matière. Merci na le biango. Et ça, l'objectif, il y a quoi améliorer la circulation. Tout ce qui circule, kitoko. Hein? Ozolou, on a, par exemple, territoire Ouenini. Kabinda, ozolou, on a territoire Moussousou. Maezana Katikati, il faut que ça la pont. Makamwe, ça la bien. Bien sûr. L'office de route bien sûr. Doit s'en charger. Et surtout, ceux qui osent, par exemple, on a, dans le haut Lomami, tu veux venir maintenant dans Lomami, il faut passer par. Rivière Loubilangi, voilà. Il faut traverser bah, la rivière quelque part, voilà. Et c'est l'office des routes qui doit toujours s'en charger. Voilà. Ouais, voilà. Bah, zapena, bah, comment nous appelons ça bah, nini. Bah, nini, c'est avoir rapport au Kati, ça, voilà. On appelle ça bah, barge, une histoire du genre. Bah, pendant la campagne, on a vécu tout ça. C'est un domaine où on a maîtrisé Mingité. Voilà. Pour alors, ce terrain, pendant la campagne, tu as beaucoup circulé. Là. Voilà. Ce programme. Katsibama est belé. Katsibama est belé. Namoni Bambouk est belé. Territoire est belé. C'était une belle expérience. Bien sûr. Cas, je préfère revivre ça dans, ah, oui, hein. dans 2028. Alors, ce programme d'acquisition, de déploiement et de la mise en œuvre. Il y a un pont est structuré en trois contrats. Ok. Voilà. Le premier contrat concerne 44 ponts. Les 44 ponts déjà au pays et en phase d'installation. Alors, sur les 44 ponts, 15 sont déjà installés à travers les provinces.
bah, différentes est-ce provinces. Est-ce que c'est l'office de route à Outaï qui a installé le pont Nambujimaï? Voilà, Paul Obi. C'est avec rapidité, mon gros. Énorme. Bah, sali, en gros, d'ailleurs. Très efficace, bah, sali. Et puis, il faut aller voir. Salemikuna, c'est. Rapidité, c'est, à Kusaranate. C'est du wow. Ouais. C'est du wow. Et donc, j'étais en train de dire que sur les 44 ponts, 15 sont déjà installés à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Mmh. Et parmi les 29 ponts, selon est installé, une partie est déjà sur les différents sites et fait l'objet des travaux des hein, les renforcements des constructions des culées avant l'installation définitive. Et une autre partie est en route à raison de l'impraticabilité de certaines voies d'accès. Hein. Tout ouais, ben, c'est là qu'on est voilà, ouais. 15 déjà installés, 29, hein, bah là on a quatre ça salam salab n'engue bah kanga kawana tout ça pour qu'ils aient la paix installée mais ça déjà naba site na yango. Donc le 44 concerne le premier contrat, le deuxième contrat concerne 60 ponts déjà à Kinshasa et en attente de fonds. Donc bah cause la misolo et pas y a l'État pour le déploiement et l'installation. Bien sûr. Ça veut dire que ce qui est l'état de Missy Missolo, les 60 ponts, hein, où ils ont déjà na Kinshasa, bah, qu'on soit en haut, déployé, et puis, bah, ça, les nini, ben, installé. Le troisième contrat, parce que dans l'objet, Moussala, au office de retour au Sala, et ça structure en trois contrats. Premier contrat, 44 ponts. Deuxième contrat, 60 ponts. Le troisième contrat concerne 200 et. Un pont en phase de fabrication. Mais il faut dire que une partie déjà au port de Matadi. Donc nous souhaitons que c'est la BKK Mosolo. Oh bah pont Mosolo. Bah, pendant pont. Ça les a la Matadi wana. Ouais. Une partie qui a Matadi ça causé la Mosolo pour que bakoka ko dédouaner yango. Très bien. Bakoka ko déployer yango et ouais. Bakoka ko qu'on installe Yango. Ce qui n'a pas de problème, mon cousin, c'est que nous sommes en Zali. Oui. Mboka na biso nenge Zali. Nenge totanga géographie na mboka na biso. Toi, comment on est que tout ça n'a pas rivière par ce Ezebele. Maman, il par-ci par-là. Maïele qui na Congo. Il faut voilà. Des ponts. Si nous voulons vraiment une bonne économie aussi, dans la province de la biso, il faut des ponts. Relier la province. Voilà. Relier le territoire. L'office de route peut aider. Relier le village. L'office de route doit nous aider parce que l'office de route est l'ingénieur conseil au gouvernement en matière de route. Banzela et Bélé a des certes agricoles et Zala ma rivière et Bélé. Voilà. Oyele Biloko et Kanamiko. L'office de route est là pour gérer ouais. Makamo Yanzela. Mais na mon nakandeti ne sale li au gouvernement. Ne sale li ya ministre ba ite père. Ministre ya ite père. Netka ba tchaka ba ngomo panzi. C'est ça pour la commission te. Locotro. C'est cela le problème. C'est cela le problème. De côté. Et donc, vous imaginez dans un pays comme le nôtre, où nous avons beaucoup de rivières, beaucoup de sources d'eau, si on nous installait 305 ponts et que ce programme prend fin, on a acquis 305 ponts, on a déployé, on a installé à travers le pays. On n'aura plus de difficultés de communication. Bien sûr. De circulation. Transport et marchandises. Bakobanda ko desservir ma province bien là-bas, marchandises. Bien sûr. Bien et sûr. Nous serons bien. Économie, et salanini, ekomata. Tout ceci contribue. C'est ce qu'on appelle le peuple d'abord. Bien sûr. Ça, c'est le social. Moko samba na gouvernement, il faut acha pression. Bape sa bato yombongo. Basa la biloko, voilà ce qu'on marchandise et tambola. Ça, c'est le social. La production, les transports. Voilà. Voilà. Ça, c'est le social. Ouais. Parce que quand il y a des ponts, ça veut dire qu'il y a de bonnes routes. Oui. On va bien desservir. Ouais. Économie au salanini. Et au tambola. Et komata. Les populations à revivre. Et komata. Tant économie, et komata. Bah, recette est mati. Budget est mati. Ma kamonyo se okene liboso. Ça veut dire que lorsque nous respectons. Moustala ya moutouna moutouna secteur naïe. Le pays ira de l'avant. Mais surtout qu'on respecte te. Mboka pe moyen que ne liboso. Exacte. Parce que tel veut entrer. La plaque bande ya tel. Et puis makambo. Et kouzala bien te. Très bien. Parce que déjà,
15 points installés, 29. Et à cause de la même personne, quand ça cause la musala, il y a qu'au Kanga, même qu'en forcément il y a Banini ouana. Et Missou c'est ça là bas pas. Il y a Matadi, Missou c'est ça cause la maman pour que et ya. Donc de pareilles choses. Ce qui l'État a joué comme Mokano, il y a qu'au débourser, qu'au décaisser l'argent qu'il faut remettre à l'office des routes. Bako ka kosa la musala wana. Qui va gagner? C'est le peuple congolais. Biso to kendaka na campagne. Na lobi na loba ki yango déjà awa. Je vous dis na village oyo bako benga nyuzu. Nyuzu, nyuzu. Na Congo, na Congo. Na liberté. Na toza na province. Toza na province ya dans la province, il y a l'Omami. Oui, je vois l'Omami. C'est après dans le... je suis passé par l'Omami. Oui, l'Omami, chef, lui, c'est Cabinda. Cabinda, à voilà. deux villes, Cabinda et Monedit. Voilà. Na village Obabengi Nyuzu, na l'Omami. Pour que tout le monde ait l'Omami, tout comme on a un Bujumai, tout là, deux jours, na village Obabengi Nyuzu. Vous savez pourquoi? Na habité. Parce qu'il fallait tous la rivière Wano Babengi Nyuzu et quitta. Ma est débordé. Ma est débordé. Tout là pendant des jours. Ça veut dire que bato basa na ngambo oyo. Bako yiko ya na ngambo eti. Biso to za la na mituka. Ba land cruiser. Mais on to ki ko le kata il faut tous les mailles quitta. Ouais. Obligé. Pendant ce temps ceux qui traversent, ça va pirogue, il y a Mickey. Est-ce que ma pirogue et Mickey, on a une combien de marchandises? Jamais. Et pendant les deux jours, comment ma villageois va koto na ba ba ça koto yo, ba ça ko desser ko se desservir. Impossible. Na bilo impossible. Na eau potable et c'est devenu casse-tête, c'est compliqué. Très compliqué. Donc, ça veut dire que place où on a par exemple, ceux qui pont Ezali. Est-ce que tout linga qui t'ose là que maïe qui t'a pour que tout traverse? Parce que tout cela qu'on est dans la campagne. Tout linga t'ose là. On n'allait pas attendre. Tout linga tout traverse Mbala Moko. Tout kené la mission Nabiso. Ça veut dire qu'il y a le Congo profond qui a besoin de ça. Et quand ceux qui sont ici dans des bureaux climatisés, bazo boya ko libérer Mbongo. Pour baye bureau de terrain. Bazo boya ko desservir ma société neti. Hein? Bah office de route, bah ACGT, bah OVD, bah ça la banzela, bah bongisa. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est par exemple, nous sommes à Kananga, bah passez-moi entreprise moko boye pour la voirie urbaine. Si ça rajoute un misala boye comme un problème. Bah politicien bah zaka na kati wana balia boye bah zongisa boye. Et pourtant, bah tu baye ko linga commission et commission za sukali. Et pourtant ce travail qui est fait. À l'OVD, l'office des routes, sous la direction du directeur Jean-Luc Kikangala, est fait pour, comme je l'ai dit, matérialiser la vision du chef de l'État. Du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord. Ah oui. La vision de voir les Congolais vivre bien. Bien sûr. Bien sûr. Vivre bien, ça veut dire quoi? Circuler bien, librement, dans de très bonnes conditions. Ouais, 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 ouais. C'est qu'il dit dans sa vision, il ne veut pas voir un Congolais place où il faut traverser non à l'aller na zamba moko boye pendant des jours pour que c'est la maille et qui ta ko ko traverser non. Non. Sa vision c'est que quand un Congolais veut quitter une zone X vers une zone Y, à ça là en gros dans des conditions assurées, sécurisées. Très bien. Mais ceux qui doivent qu'on financer bah office des routes. Bah ça les labisso bah pas, bah ça les labisso misala ya bien. Banzela y a bien. À qui la faute? On dira la par faute après, à nous-mêmes, à nous-mêmes. On dira par après que les dirigeants de l'office des routes n'avaient rien fait. Il y a un problème, il y a pas de recette dans le cannabis. C'est ça qui dérange. Nous avons des services compétents dans ce pays. Mais nous, que nous mettons de côté pour les opérations retour. Opération retour. Oui, moi je comprends facilement puisque ngai province ça c'est kana kenda mingi. Kenda province mingi. Déjà ni na za bon ma collègue déjà na nzela. Deux trois jours après na osa na province.
Bakonzinabiso bazo yeba réalité à province. Nous avons deux ministres ba vandika na Kinshasa. Ministre national aux Afrika na Kinshasa. Je vis des vidéos du ministre à développement rural. Azole la Nzela. Oui, nos Azole pas de route. Mais toi qui les Congolais n'ont pas de route. Toi tu es au conseil des ministres. Hein? L'oba vérité. Le Congo n'a pas de route. Oui. Mais donner l'argent à l'office de route, il gère la politique routière. Pour l'entreprise, pourquoi les Chinois, hein? Ils ont expertise à mon côté pour la commission. Soukali na monoko. C'est pas tout balingi soukali boye pesa ka malade hein. Ba zo zo ba prérogative du office de route. Ouais. Ba pesi ba CGT. Ouais. Ba pesi OVD. Donc ba zo tchaka ba entreprise na ba établissement. Soukali. Na confusion. Commission Moussouni. Ba zo tchaka ba na confusion Moussouni. Je veux que na sokuna. Awana aba ko pesa ngate. C'est tout. Et au finish c'est le peuple qui souffre. C'est compliqué. Ce n'est pas le président Mtokoya Kata Makambo. Ce sont le ministre qui nous crée bah, des ordres. C'est compliqué. C'est pourquoi on a colloqué que Madame Judith Suminoa. Il y a des gens qui ont raison. Mais il y a des gens qui ont raison. Le ministre n'a qu'à coller dans le terrain. Allez, le ministre, allez, le bon, c'est quoi ce peuple? Il prend du plaisir à partager un peu ma vidéo. Ma vidéo, ouais. Hey, papa. À qui coller dans le terrain? Vous qui êtes censé de décider. Hein? Vous pleurez. Mawanabino. Papi, t'as ma bonne levée. Baké n'a wapi. Bon, Papi Tamba, je ne me suis pas suffisamment imprégné du dossier. Ouais. N'a évité ceux qui m'ont éveillé, n'a évité ceux qui m'ont kangué, n'a évité. Mais j'ai juste vu l'alerte comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Et je parle avec certains confrères qui sont proches. N'a évité, confirmé, et n'a eu pas d'informations, n'a relayé, pour qu'on compatisse. Allô, Bakini. Non, je sais qu'il y a quelques jours, pas il y a Perro Louara, il disait noir sur blanc qu'il soutenait la rébellion de Corneille Nanga. Et tu partages aussi ça? Non, je ne partage pas d'avis. Je ne suis pas d'avis en tout cas. Jamais, jamais, jamais. Donc, il n'est pas enlevé? Peut-être Bazui va interpeller quelque part. Je n'ai pas d'infos. Ah, tu n'as pas d'infos. Je n'ai pas d'infos. Ok. En dehors de ça, tu t'attendais encore à quelle question il faut qu'il a posé? Mais n'a posé t'es. C'est une question un peu difficile. N'a évité n'ni n'a encore quoi n'a tout n'a wana parce que moi j'estime que le plus important aujourd'hui c'est de parler du social bien sûr des Congolais. Kolia ya ba Congolais. Kolala ya ba Congolais. La sécurité des Congolais à l'est. Ce qui se passe à l'est. C'est ce qui nous intéresse le plus. Accord. Kagame ne veut pas donner aussi son point de vue dans Makamoya. Comment l'ongola basoda na RDC. Namaye Matali, FDLR, tu sais qu'elle dit et son gouvernement basa d'accord pour mettre en place un plan neutralisation. Dans le bara toujours que Kagame Kagame est en train de bluffer les Congo. Ouais. Il sait ce qu'il fait. Ouais, ouais, ouais. Kagame sait, c'est lui qui l'entête. Oui. Mais il sait ce qu'il a en tête. Aïebi bango. Bango ne ba kopi sa ye courage. Aïebi a bien ça là. Très bien, merci. Je préfère qu'on s'arrête par là. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir Siméon Isaac sur ce plateau. Aïe pesaza yanga et tongwe. Tomani mo kala. Tomani kala. Plateau ça la rabouite. Plateau ça la rabouite. Iye le PC. Nazo ka André. Bah tu vas comment repasser ma candidature pour pas comment va président et bandit les lots dépend ma candidature et bandit les lots n'ayez que Jean-Marie Kassamba oui. N'ayez que Israël Mutombo donc on passe par une autre chance donc on passe par une autre chance par une autre bazar par confrère que les meilleurs l'emportent. Ah, que les meilleurs l'emportent. Mais il y a une PC bah au bazar qui ah c'est tout Freddy Chioyo. Tu avais fait la honte. Chioyo était devenu plus au service des politiciens. Chioyo m'a sacrifié, moi. Et j'apprendrai par la suite. Chioyo, il y a eu un PC. Chioyo, c'est qui Chioyo, monsieur Chioyo, dans la commission en discipline. Na ebita mitchakuna commandé ngeni. Freddy Chioyo, na biso notre confrère. Je dis Chioyo, balobagaza journaliste, monsieur balobiaza caméraman et consomme na ebaka. Pe makamona bien te.
pas Freddy Tioyo ou Azalaka na RTVS 1T. Ah, ok. Tioyo Moussousou, Azaki na Radio 7 comme ça. Ok. Tu avais fait la honte, monsieur. Toi, tu as fait la honte. Je dis bien la honte. Bon, ce qui est Israël, ce qui est Marika Sambagoleka. La candidature est bien. Oui, tu vois, tu vois, les autres. Ah, tu vois, Dieu aussi. Bon, c'est lui-là, hein. Une tête. Ce qui a l'équipe, ça nous fera du bien. Mais tout ça, il y a pour ça, il y a président, il y a UNPC, BBT. Oui, il y a un pour ça, il y a un dictat, il y a tout le monde. Le président, il y a UNPC. Oh, Seigneur Jésus. Bon, ça, il y a bien. Bon, on a fait encore à 300 millions. 300 000 ou 300 millions? Bon, et puis, 319 000 dollars américains pour le congrès. À... C'est beaucoup d'argent. UNPC, c'est beaucoup d'argent. Ah, beaucoup d'argent. Il y a une PC pour renouveler. Nous avons aussi ici, dans ma carte, il y a Kala. Au bout de la bise. Désordre dans le désordre. Mais non, c'est drôle. Et mon blog, on a mis un peu de Kanda, Kanda. Bon, pour bon, ça. Cette fois-ci, nous avons besoin de la rigueur. On a eu une PC responsable pour nous raconter la caille à la journaliste. Parce que nous sommes trop marginalisés. Et c'est finalement, on a bien contre le politicien. C'est comme ça, c'est quoi au juste? Merci. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt. DJ Stéphane, oh, Bala Mwangi, Congo ya Lumumba, Congo, la Fati Beton, Tangwe Koki, oh yo yo, Tangwango yango yo, ye Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Bala Mwangi, oh yeah, yeah.